Mais tout d'abord, le dernier jour d'une free party qui se déroulait depuis vendredi soir à Grosbois, près de Baume-les-Dames. Ils étaient encore 1500 la nuit dernière, selon les organisateurs, à participer à cette fête sur un terrain sans autorisation. L'agriculteur propriétaire du terrain avait donné son accord, mais on lui avait parlé d'une petite fête d'anniversaire. Un rendez-vous sous surveillance des pompiers et gendarmes qui n'était pas du goût des riverains et des élus. Laurent Ducrozet, David Martin. À Grosbois, normalement, les dimanches matins sont plutôt paisibles. Sauf que depuis 48 heures, ils sont des centaines à danser dans ce champ tout à côté du village. Une communauté charmante mais bruyante. Pas de quoi toutefois effrayer ce convoi équestre qui passait par là ce matin. Super sympa. Tous ceux qui avaient des chiens les ont bien tenus en laisse. Ils ont tous dit bonjour. Oui. Très très cordiaux. Hein. Ben, vraiment. Hein. Quant au propriétaire du champ, il avait bien donné son accord, mais on lui avait parlé d'une petite fête d'anniversaire entre copains. On a été surpris vendredi soir quand on a vu tout ce vacarme, parce que tout le monde appelait dans la rue pour voir d'où ça venait, quoi. Et c'est après, petit à petit, bon, on a même pas appelé les gendarmes. Les gendarmes sont venus sur le place. Et ces gens ont présenté leur autorisation, donc on ne pouvait plus rien faire, quoi. Voilà. Les teufeurs, comme on les appelle, semblaient eux très contents de ce week-end gros son dédié aux infrabasses. J'ai pas fait les 48 heures, mais bon, je suis là quand même. Et là, il y a tout le monde, absolument tout le monde, tous ceux que je vois là, ils sont tous chauds patates. C'est pas un festival, c'est juste une teuf organisée par les obliques et ça envoie du pâté. Hein. Ah, ça envoie du pâté, j'aime bien. Avec le temps ? Avec le temps qu'on a en plus, on est gâtés aujourd'hui, c'est pas vrai ? Des secouristes étaient toutefois sur place, les gendarmes aussi, mais plus discrètement. Il y a eu quelques malaises et même une évacuation par hélicoptère. La free party devait théoriquement se terminer dans l'après-midi.